Et non, il faut passer le jeu en DirectX 9. Donc, au lieu de DirectX 11. Moi, il est en 11, il marche très bien. Ah ouais, bah t'as de la chatte, écoute. Moi, ça marche pas. J'ai genre, il y a peut-être un dixième de l'écran qui est planqué à la droite. Voilà. Salut, donc j'ai trouvé la cause du problème. J'ai cherché un peu sur les forums, même vraiment juste un peu. Et il s'avérait que la solution était très très simple, passer en DirectX 9 au lieu de laisser en DirectX 11. Sachant que j'ai une carte graphique compatible DirectX 11, là n'est pas le problème. C'est bon. Bon, le jeu ça fait genre 2 ans qu'il est en bêta, ce qui paraît, ou une truc comme ça. Il est déjà sorti en Corée ou en Asie. Mais bon, on va dire que c'est normal. Fais voir si je remets en plein écran du coup, est-ce que ça fonctionne ou pas? Hop. T'as fait quoi comme classe au fait? Guerrier, je fais guerrier. Attends, je check un truc. Est-ce qu'on peut jouer en plein écran? Non, c'est pas pris le plein écran, putain. Je vais devoir jouer en fenêtre, ça me fait chier. Alors, on va régler, il faut régler les touches. Sauf que j'ai les touches WASD, quoi, je suis sur un clavier français. Alors où est-ce qu'on règle ça? En raccourci. Ah, sans blague. Par contre, fais une déco reco une fois que tu as fait, parce que si tu crashes, elle va te reset tous tes réglages. En plus, c'est même pas dans raccourci, c'est dans commande de personnage. C'est ce que je dis. Ah non. À la gauche, à la droite. Pivoter à gauche, pivoter à droite, sauter, course automatique, plonger, marcher, courir, ok, bon. Ouais, tout le reste, je vais le laisser comme c'est pour l'instant. Ah tiens, les personnages, ils ont des collisions entre eux. Ah, ouais. C'est vachement rare, ça. C'est vachement relou. Alors, surtout que tu débutes avec des millions de joueurs, là ça va être à la galère. Appuyez sur F ou faites un clic droit pour activer les quêtes de PNJ porteur d'un point de vue. Vous avez l'air d'un ralenti, le chercheur. Attends, mais il ressemble pas. Tu vois ça, mon personnage là, qu'on voit de dos, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Ah ok, c'est lui qui cachait la vue. À droite de l'écran. Suivez la flèche à vos pieds pour trouver l'emplacement du prochain objectif. Ok, donc faut que je trace un peu de droit. Par contre, je vais mettre en 1920x1080, c'est trop chiant cette résolution. Voilà. Ah bah tiens, j'ai une flèche à mes pieds hein, qui va m'indiquer directement où aller. Eh bah ça va, c'est pas trop dur. Faire shift 1 tout en maintenant Z appuyé, c'est un peu casse-couille. Atterrir chat. Shift 1 pour sprinter. Non, tu double appuies sur avancer. Ah ouais, ça marche aussi, t'as raison, oh, bah c'est cool, parce que dans les raccourcis, ouais, mettre shift. Hein. Alors, les objets interactifs sont des objets avec lesquels vous pouvez effectuer une action, ils sont identifiés par un point d'exclamation. Ouais. C'est quoi ce petit jingle quand t'as une quête à accepter? Les cibles rouges et oranges. Pour choisir votre butin. Attends, mais
j'ai pas de butin choisi, qu'est-ce que je raconte? C'est quoi ce type de Brokeback Mountain? Quoi? Il est super bien, mon mec. Non, le mec qui t'a donné la quête avec... Ah. Putain, tu sais à quoi il me fait penser, là, mon personnage, quand je le regarde comme ça? Un vampire à la con, à la Twilight. Il est tout blanc, avec des lèvres roses et un duvet de pédale. Putain. C'est un elfe en même temps, je t'attendais à quoi, là, mais... Même pas, c'est un humain. C'est clair qu'il est pas terrible. Cette quête numéro 2 là. Ah, faut que je tue 3 saloperies. Okay. C'est quoi ça? Pourquoi tu t'appelles l'arc si t'es un guerrier? Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Hein. Pourquoi il tape pas? Pourquoi il me propose de frapper à l'arc? En fait, t'as les 3 sortes de bases, mage, archer et guerrier au début. Ouais? Bah, ça se voit sur ta barre raccourcie. Alors, autant le truc de guerrier je le vois, l'arc je le vois, mais le troisième c'est un truc de mage. Mais non, c'est un arc des guerriers le troisième. Ah ouais, ah non, oui, ok, ouais. Ça c'est ton vrai truc de guerrier. Coup de pied, frappe un ennemi du pied, lui inflige hein, tout en le repoussant. C'est quoi ça? Danse, lorsque vous voulez montrer vos vieux pas de danse. Ah ok, ça c'est des immortels. Ça c'est genre le coup blanc en fait. Ah, G pour choisir le butin en gros et F si j'ai bien compris pour te prendre d'un coup. Ok, faut que je fasse mon rapport à Omer Gott. Les quêtes marquées en vert sont exclusives. Ouais, Nova, attends, t'es vers moi. Approche-toi un peu de... Attends. C'est dingue, j'ai l'impression que le truc des quêtes... Bah, je sais pas, t'es censé être où, t'es... Je suis vers le... l'arrêt de bus. Vers l'arrêt de bus? Ouais, l'arrêt de diligence. Bah, attends, là, j'entre dans le village. Hein. Naughty Nurse. Je peux pas avancer vite, j'ai un bagage sur le dos. C'est toi, Naughty Nurse? Non, moi, je suis Terral. Ok, bah alors pourquoi le mec, il veut m'inviter dans un raid? Tout en haut, au nord, t'avances. Tu vois le truc jaune vers le croisement, là-bas? Le truc jaune vers le croisement... Merde, attends, j'ai des PNJ à qui parler, là, paf, paf, paf. Capacité avec vos points de talent. Cliquez. Attends. Au nord, bon attends, je vais aller au nord. Hein. Au nord, moi je vois la flotte. Ouais, mais pas au nord, juste au nord du village quoi. Cliquez sur mémoriser pour enregistrer votre emplacement. Vous pourrez ensuite utiliser la capacité Sibel pour vous téléporter vers le dernier emplacement enregistré. T'es peut-être pas... Je sais pas, j'ai du mal à voir sur ta carte, t'es un peu flouté. Je suis en haut à droite, moi. Je suis tout à droite de la carte. Hein. Je suis dans le premier village du jeu, quoi. Ah bah non, t'es pas au bon endroit. Aïe.
Moi je suis vers Galactea. Attends, faut que je me trouve un mémoriel là. Un grimoire mémoriel. Où est-ce qu'il est ce connard de grimoire mémoriel? Ah, c'est ce gros truc là-bas là, qui brille. Le truc difficilement ratable que j'ai raté. Acquérez de nouvelles capacités avec vos points de talent. Cliquez sur l'icône capacité du menu ou appuyez sur K pour ouvrir la fenêtre capacité. Voilà. Apprendre un nouvel art. Nanana. Charge. C'est quoi? Triple en taille, je l'ai déjà. Je l'ai déjà celle-là. Alors, je vais débloquer la compétence au charge. Youpi. En cours de combat, vous pouvez générer un effet combo bonus en utilisant une capacité entourée d'un liseré doré dans votre barre d'action. D'accord. À tout moment si vous les placez sur votre barre d'action. Pour ce faire, cliquez sur elles et faites-les glisser sur une case vide depuis la fenêtre capacité. Acquérez de nouvelles capacités avec vos points de talent. Cliquez sur l'icône capacité du menu ou appuyez sur K pour ouvrir la fenêtre capacité. Puisage d'eau. Super. J'ai acquis de l'eau. L'écran, il a une petite tendance au clignotement. Chiant. Oh, je sais pas comment expliquer ça. De temps en temps, ça. Je sais pas, ça clignote. Je vais couper le mumble l'été. Parce que c'est chiant. Voilà. Alors. Faut que je récupère la viande sur ces gros machins. Ah, mais je dois laguer à cause du stream, c'est pour ça que mes actions se font en retardé. C'est bon, j'ai récupéré ta viande. Oh, cette tête. Je vais changer la sensibilité de la souris qui, à mon goût, est vraiment trop faible.
Ah, voilà. Mettre 20. Ouais. Bon, c'est pas des tas de mieux, mais bon. On va faire avec. L'icône journal de quête en bas à droite de l'écran, ou appuyez sur L pour lire les détails des quêtes. Sur Vernum pour courir sans maintenir la touche Z enfoncée. Merde, j'ai oublié un truc par là-bas. Merde, il est passé où le petit 2 là? Planter le jeune arbre nouveau. Où est-ce que tu veux que je plante ça? J'ai pas suivi. Genre, je le plante ici. Ok. Je vais changer les raccourcis qui me dérangent actuellement. Alors. Ils sont où, les raccourcis des barres de combat là? Je vais tout en être. En E. Toi, je dois être en R. Toi, je dois être en A. Et toi, tu me sembles être auto-attaque, donc je te vire. C'est bien ce que je pensais, il y a l'auto-attaque. Ah, le corps il roule quoi, c'est rigolo ça. Ah, mes yeux, ça casse le rythme, leur méthode de rendu de quête au PNJ. Waouh, la mec!
Il court tellement vite qu'il y a une sorte d'onde de choc autour du corps. Alors. Ok. On va tuer l'ours brun. Mec, est-ce que tu t'es perdu avec ton loup là? Je fasse F, pas G. Ouais, c'est vraiment de la merde là. L'arc. Un peu aux arbres. Oh mon dieu, on peut grimper aux arbres. Oh mon dieu, mon dieu. On a un grizzly. On a des petites griffes au bout des doigts pour grimper. Est-ce que c'est le bon arbre? Oui, c'est le bon arbre. Est-ce qu'on peut sauter? Oui, on peut sauter. On voit les autres joueurs dans les scènes d'interaction avec la PNJ. Vous pouvez choisir un nouvel art, vous avez obtenu 2 points de talent. Affiche-moi les talents. Sélectionnez un art. Art de protecteur. Art des spirites. Hey ! Non. Attends, j'ai pas choisi. Coup de bouclier, repos, charge de taureau. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt un art tank, ça. Voir les passifs. Augmente le blocage. En cas de blocage. Défense physique, ok. Et les spirits, c'est quoi? Des dégâts subis en vie. Ah, c'est bien ça. D'où la durée d'aspiration. Je sais pas ce que ça veut dire. Diminuer tous les dégâts subis. Ah, ça c'est plutôt tank. Pourquoi j'ai des petites fleurs à côté de celle-là et pas à côté des autres? Je sais pas. Avant de faire mon choix, du coup, je m'informerai. J'ai 2 points de talent utilisés. Pourquoi je peux pas apprendre celui-là encore? Il faut que je sois niveau 10. C'est quoi? Augmente l'attaque à 45%. Allez, vas-y, je vais prendre ça. Oui, je le prends. Il me reste un point de talent à utiliser, mais pour l'instant, j'ai pas le niveau pour les autres compétences. Ouais, avant de choisir ce genre de conneries là, ben je vais attendre. D'être un peu plus informé sur le jeu et de savoir ce qu'il y a de mieux comme choix à faire. Sachant que, si possible, j'aimerais bien avoir une sorte de guerrier paladin. J'aime les paladins. Blablabla. Nova, c'est un singe. C'est vraiment très gentil. Alors,
C'est ce que je suis de parents portugais que tu dis ça. Enfoiré. Monolithe Nord. Alors, oh là, il brille. Ah non, c'est un fantôme. Hop, 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 hop. Suivant. Je dois récupérer les marques sanglantes de Velpo en jaune. Alors, je vais aller vers le 2 en premier. Est-ce que eux, ils me donnent des marques sanglantes de Velpo? Oh, je sais pas, le 2, il me dit d'aller un peu plus loin. Ouais. Je vais tuer. Voya. Ouais. Est-ce qu'on peut se faire plusieurs cibles à la fois? La cible n'est pas dans la bonne direction. Ouais, là, du coup j'ai pris l'habitude de Wildstar où on attaquait pas par cible mais on attaquait par zone. Et mais du coup là je peux pas attaquer plusieurs mecs en même temps en les mettant les deux dans la zone. Bon bah c'est bon, j'ai les marques de Velpose. Tac tac tac, je vais faire mon rapport au fantôme. Allez viens le fantôme, on va faire un rapport toi et moi. Hop. Oh, des arbres, c'est important les arbres. Abattage d'arbres. Ah, j'avais une hache sur moi quoi. Vous avez besoin de points d'artisanat pour récolter, extraire, fabriquer et pour exécuter certaines. D'accord, ok, ça marche. Ah, vous avez réussi, je sens déjà un grand poids en moins sur mon esprit. Un fantôme qui parle de poids, ça c'est marrant. Cœur brûlant dans votre sac. Tiens, d'ailleurs, j'ouvrirai bien mon inventaire. I, je suppose. Bonne pioche. Alors, grimoire de téléportation, sauvegarde mode 1. Ok, des potions. Un grimoire de. Pour couvrir, traverser le portail. Ouais, bon, je sais pas trop compris, on s'en fout. Porte-monnaie du fermier. Ouais, ok. Ah, clique droit sur un objet dans votre sac pour en équiper votre personnage. Ok, ça marche. Je viens de scanner un objet, pourquoi pas. Voilà, boutique. Non, ça je m'en fous. Ah, voilà. Oh là là, on a même pas d'aperçu de notre personnage dans. Attends, mais où est-ce qu'on voit notre stuff? Ah, ok, il affiche au milieu de l'écran. Ah, je vois, c'est comme ça. Alors, l'épée. Cette épée est-elle meilleure? Précieux, épée nunienne, nanana, 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 je gagne en DPS, je gagne en force, je gagne en endurance. C'est une épée Ayoma. Bon, je suis peut-être un peu aveugle sur les bords, je sais pas, mais je trouve les textes un peu trop petits, mal agencés, c'est pas clair. On n'a pas l'information qu'on cherche comme ça, paf, en plaçant l'œil sur l'item. Là, c'est un sacré ramassis d'infos. Bon, je suis équipé de l'épée. Cœur brûlant. Ouais. Un bâton dont je me fous complètement. Et un Nadashi. Je sais pas ce que c'est. Et je m'en fous. Alors je vais pas le scanner maintenant. Hop. Hop. Et hop. Alors. Suite. Je vais utiliser l'objet sur les fantômes mangeurs comme il l'a demandé. Je l'ai touché ou pas? Ah oui, je l'ai eu. Bon bah c'est tout. Bon bah c'était simple. C'était simple et rapide.
Le chat, j'espère qu'il y aura un groupe de chat français exclusif, parce que j'avoue qu'avoir les trucs, avoir 90% du chat que je puisse pas lire ne m'intéresse pas beaucoup. Enfin, je peux pas lire. Je peux le lire, mais... Ah, un bouclier. Alors ça va m'intéresser. Et je m'équipe du bouclier. Un luth, ça doit être pour des gens qui jouent au luth. Ah, un arc. L'arc, je vais le prendre. Oh yeah, j'ai changé le skin de mon arc. La classe. Bâton, je m'en fiche. Il y a un odashi, je sais même pas ce que... Attends, je vais quand même le... De toute façon, apparemment, ça me coûte rien d'examiner les objets, alors je vais le faire. Nodashi. Oh, mais ça a l'air encore mieux que ce que j'ai actuellement. C'est à quoi? Est-ce que c'est à demain? Ah, c'est à demain. Eh ben, je vais le prendre, rien à foutre. Parce que j'ai pas besoin du reste. Vas-y, identifie-moi le bâton. Par contre, je comprends pas l'intérêt de devoir identifier les armes si de toute façon il nous demande aucun prérequis pour les identifier. Autant nous donner directement l'objet normal plutôt que nous faire perdre 5 secondes à chaque fois d'identifier l'objet. Tac, tac, et ça c'est quoi? Un luth, allez, examinons le luth. Ah, j'avais déjà un luth sur moi. Bon bah vas-y, je vais équiper un meilleur luth. Hein. Apparemment on peut s'équiper d'un luth en même temps que d'armes à deux mains. Bon. Putain, mon épée c'est vraiment pas une épée de PD. Bon bah je continue. Tout. Je dois défoncer les gardiens de monolithes vivants. Je lui ai pourri la tronche. J'en veux combien? 3. Bon, ça va, au moins 3, c'est pas très... C'est pas abusif comme nombre, je dirais même c'est très très raisonnable. Mais bon, ça me fait peur. Est-ce que c'est style MMO coréen où ça commence avec 3 et ça finit avec 3000? Gardien de monolithe violent, pas vivant. Je m'étais trompé, j'ai mal lu. J'ai l'impression qu'on a un peu beaucoup pour ce spot. Oh des gonzesses, oh, qu'elles sont jolies. Ma charge, elle est élevée au rang 2. Est-ce qu'elle est automatiquement ou est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Non, c'est bon, c'est automatique. Contrairement aux antibiotiques. Ouais, je te tourne autour pour te DPS. Ouais, tu comprends rien. La torture, là, là. Ça fait sprinter les gens. Bon, c'est bien parce qu'on n'a pas trop une impression de lenteur avec ce sprint.
de Luciole avait-on dit à propos de la marque de naissance sur votre bras d'enfant. Mais cette marque s'embrasait parfois, produisant ainsi une lumière plutôt inquiétante. Sa forme étrangement parfaite luisait sur votre peau comme une torche. Ah, c'est pratique dans le noir. S'il existait d'autres porteurs de cette marque, vous n'en aviez ni rencontré, ni entendu parler. Votre terre natale était pleine de légendes. Comme l'expédition du Cénacle et ses 12 aventuriers découvreurs du berceau du monde. L'exode d'Auroria, le continent du Nord. La colonie de ce qui devint Nuya. Mais aucune légende ne faisait mention d'un... Ah, ok, t'es... Ok, pour les infos que je viens de lire là un instant dans le chat. Ben, ok. Ouais, je vais prendre le deuxième arbre de talent, mais ça me fait chier parce que, est-ce qu'on peut réinitialiser un peu quand on veut l'arbre de talent? Est-ce que ça coûte beaucoup de points? Parce que j'ai peur, tu vois, genre, de faire un choix maintenant un peu à l'arrache. Très franchement, si je fais un choix maintenant, ce sera à l'arrache. Et donc, j'ai peur, bah, de faire un choix de merde, tout simplement, hein. Alors, quitte le chan, ok. Alors tu me dis de... Tu me dis de quitter quel chan Ok, je coupe le chat Alliance. Et je reste le chan Nation, ça marche. Ah, c'est pas tout ça. Hein. Ok. Ok, ça marche. Ah tiens, il y a déjà des bots, c'est comme c'est étonnant. Ah oui, l'histoire des points de talent, je crois que c'était le cas. Protecteur, spirit, sorcier, nécromant, archer, mage, assassin, virtuose, animiste. Qu'est-ce qui nous fait un virtuose? De retentir une vie harmonique qui inflige un... Ah non, un virtuose c'est le mec qui fait de la musique. Assassin, sorcier, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas mon truc. Ouais. Bon, je vais prendre l'assassin, puis après je pense que je prendrai spirit plus tard. Tu peux me dire à quoi ça correspond ces petites flammes, s'il te plaît, étaient dans les trucs de talent. Ces petits symboles là, genre quoi c'est sans meilleure adéquation, une meilleure synergie entre les deux. Réinitialiser les talents. Ça coûte 30 machins. Je sais pas ce que c'est ces petits machins. Si je fais I pour voir combien j'en ai. Ah, c'est genre ça coûte 30 pièces d'argent. Oh, ça va, je pense que ça ira 30 pièces d'argent. Bon bah alors je vais pas trop avoir peur de faire des conneries. Art des assassins. Ah ok. Ok d'inquiété.
J'étais en train de prendre le truc spirit, protecteur, assassin, je sais pas. Non, allez, vas-y, je vais me la jouer assassin. Non, je sais pas. C'est dur de choisir. 7% de dégâts subis en vie. Ah, ça peut être pratique ça. Bah pour assassin. Alors, à prendre frappe rapide. Je verrai plus tard. Utiliser l'aimant gravé près de Marianne. Merde. Très malin de foutre le truc des quêtes empilé sur la carte. J'ai même sur un c'est con. Papa. Il est où l'objectif le plus proche de moi là? C'est le vert ou c'est le. Oh, attends. Il peut faire quelque chose si il veut faire. Prise d'empreinte. Les experts du MMO. Quoi.
fallait le plier dans l'autre sens, idiot. Bon, j'ai... ramassé les empreintes, je crois pas. Plus Marianne parle. Oh merde, pas encore, vous me faites chier, non, je m'en fous. Sprinter en combat. C'est grand quand même. C'est vraiment très grand. Les moutons. Ah oh, ça va, ils me disent de faire 100 trucs, mais ça me fait 10 par 10. Au final, ils auraient pu faire 1 sur 10 au lieu de 10 sur 100, mais bon. C'est comme ils le sentent. Alors, hop. Ah, okay, lol. C'est marrant ça comme principe. Rendre des quêtes incomplètes pour avoir qu'une partie du butin. Mais bon. Moi j'ai été élevé dans un style où on faisait les quêtes entièrement. Je fais pas les choses à moitié. Reste-t-il des moutons encore? Ah, voilà. Hop là. Est-ce qu'on peut faire à l'inverse des quêtes un peu trop faites? On va voir. Gagner de l'expérience bonus en surpassant les objectifs de quête. Ah là, il y a un procès en cours. Et genre le mec qui est accusé d'être français, j'ai l'impression. Putain, mais la réputation de merde que les Français payent sur les MMO, c'est incroyable. Ah, c'est énorme ça. Et du coup, il y a un gars qui dit qu'il le représente et qui va le défendre. Il est coupable d'avoir tué un joueur AFK de l'Empire. Je parie que tu peux y pâter ta... Oh mon dieu, je les paye, il y a beaucoup de taxes. Oh mon dieu, mon dieu. Verdict. La personne inculpée, Séraphin, coupable de tous les chefs d'accusation, est condamnée à 13 minutes en prison. Oh mon dieu. J'imagine s'il avait rien fait, le mec. En vrai, je sais pas si on peut être engagé dans un procès en ayant vraiment rien fait. Ou est-ce qu'on est de base coupable? Mais putain. Oh mon dieu, mon dieu. Ah, ça s'annonce rigolo, le genre de conneries. J'imagine une guilde qui a la main mise sur le tribunal d'une façon ou d'une autre, qui enferme des joueurs du clan adverse quand il faut aller en raid ou une connerie comme ça.
m'en fous de Puzzello, moi c'est par l'OpenG que je voulais. H. Je suis monté sur la monture d'un péon. Oh mon dieu, sa monture elle veut pas de moi. Allez, c'est bon, je descends, je descends. Oh non, pas encore. La main rouge avait été un sujet de conversation récurrent. Ouais, je m'en fous, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La pierre de foyer. J'ai un âne dans un panier. J'ai une heure pour faire 30 mètres, c'est génial. Ouais, j'ai vu 50 mètres, on va dire. Ah bah j'ai failli ne pas y arriver. Ah, une boutique, non, c'est bon, on va mourir. Ah, des gants. Ah, je peux pas les utiliser, fait chier. Ah, des trucs de récolte. Abattre les arbres. Oui, c'est parti. Abattons les arbres. Ok. On va dire donc deux d'un coup. Je vais allumer la lumière. On voit pas bien ma tronche, j'ai l'impression. Hop là. Putain, c'est pas du petit arbre. Déforestation quoi. Alors ouais, blablabla, de rien camarade. Plusieurs XL fuel. D'accord, elle danse en plein milieu. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh, ok. Un métier à tisser. Doudoudoudoudoudou. Je vais planter ma graine. Ah, bah c'est déjà fait. Faut que j'attende 30 secondes et je vais la récolter. Waouh, les feux d'artifice, quelle classe! Encore 10 petites secondes. Mais c'est bon, magie. Alors, hop, et je récolte. Quel genre de poulain je veux? Brun
gris. Ah, je vais en prendre un gris. J'ai un poulain. J'ai un poulain. J'ai le mon tuyau. Comment je fais pour l'appeler? Domotique compétence. Est-ce que c'est là-dedans? Cuisine, agriculture, élevage, armement, maçonnerie, confection. Ah, maçonnerie, putain, je suis portugais, j'aimerais avoir un bonus là-dedans. Poser le code, les jeux d'instruments, flèche, fuite de clavier, c'est quoi ça? Ouais, non. Ah bah attends, peut-être que je l'ai dans mon inventaire, et je vois, ouais. Voilà, attends. Oh mon dieu, si je m'en occupe pas à 60 minutes après, il meurt. Faut que je lui donne une racine de machin chouette. Une racine d'arbre vita. Je veux bien, mais du coup, faut que j'en trouve des racines d'arbre vita. C'est quoi? Ouais, je vais choper de l'eau, peut-être qu'il aura soif ce con. Il y a de l'eau. Waouh, un portail. Racine d'arbre vita. Peut-être que si je vais couper des arbres là-bas. Ah non, je peux plus les couper, c'était juste pour la quête. Ah, c'est dommage. Peut-être que le marchand il en vend des racines d'arbre vita. Ah moi je veux utiliser mon poulain. J'ai un poulain, hein, c'est pas pour rien. Mec, je voudrais t'acheter. Voilà. Ah, t'es souhait. Des graines 5 argent cette connerie, merde c'est cher. J'en avais tout à l'heure. Ah tiens, yes, amusement. Ah voilà, vas-y, je le nourris. Yeah. Il est trop petit, je peux pas le monter encore, il saute de moi. Il va mourir si je lui monte dessus. Là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ce petit con? Ah! Oh, il a soif. J'ai bien fait de prendre de l'eau hein, au puits. Je suis en train de faire quoi là? Ah, je le nettoie. Putain, le truc c'est un Nintendogs quoi. Nintendors. Je m'occupe de mon petit cheval. Oui, il est beau. Oui, il est beau. Ah, je danse avec lui. D'accord. Il y en a, ils ont quand même des montures stylées. Quoi. Oh yeah! Faites un clic droit sur la monture dans votre sac pour l'invoquer. Glissez son. Votre monture acquiert de l'expérience tant qu'elle est invoquée à vos côtés. Ah yeah, c'est cool ça! Plus elle acquiert d'expérience. Ah, c'est vraiment cool ça! J'aime bien! Putain! Allez mon dada. Toi et moi, on va faire une fine équipe. Bon, il y a mon épée qui te traverse le bide, mais ce n'est qu'un détail. Bon, franchement, on a la monture très très vite dans le jeu. Alors que,
paradoxalement, je trouvais qu'on n'en avait pas encore vraiment besoin, parce que je trouve qu'on se déplaçait quand même déjà assez vite. Contrairement à certains jeux où on acquiert la monture très très tard et pendant très très longtemps, on se traîne d'une force. Bon ben, c'est parti pour la suite. Est-ce qu'il peut sprinter? Non, il peut pas sprinter. Je suppose que même comme ça, c'est plus rapide que du sprint. Ah, c'est un peu chiant ça qu'on doit descendre dès qu'on veut faire quelque chose. Tu puisses pas les faire à cheval. Ouais, bon, c'est pas non plus très grave, hein. Ah attends, il y a une barre spéciale cheval, j'ai pas vu. Leur propre équipement, ouah la classe, descendre, annuler son invocation. Ah c'est cool ça. Ah si, on peut le faire sprinter, ah c'est génial. Allez, Jolly Jumper. Ah c'est une pente. Eh, franchement, il est... Je trouve qu'il est superbement animé le cheval. Et il est vachement bien foutu. Je suis pas un expert en cheval, hein, en chevaux. Mais ma copine fait de l'équitation, elle a deux chevaux. Du coup, je vois assez régulièrement des chevaux de près, j'en monte même de temps en temps. Et ben, je trouve qu'il est vraiment, mais super bien foutu, super bien animé. Hein. Même ses attitudes d'attente sont pas mal. Bon, après, il est peut-être un peu trop excité. Les chevaux sont pas forcément si agités que ça. Enfin, après, ça dépend du cheval, bien sûr, mais... Ouais. Par contre, il est très fort à tenir dans cette position censée, là. Ah, il n'y a pas de collision avec les autres joueurs quand ils sont à cheval. Le trône du croissant. Ça donne faim, tout ça. Un petit truc à faire sur le stream. Patientez 2 secondes. Regarde si ça a bien été pris en compte. Allez, on retourne sur Dark Age. Ah, je baisse un peu la caméra. Hop là, voilà. Où sont les flèches? Cheval qui monte des escaliers, quoi. Pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais essayé ou vu faire. Mais bon. Bon, après, on va pas non plus être ultra casse-couille sur ce genre de détails. Oh yeah! Pas de côté du dada! Ce qu'il est, le dada! Où sont les flèches? Quoi? Un lampadaire? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse du lampadaire? Ah, je peux l'allumer, c'est génial. On va doubler la facture d'électricité de la ville. Je suis machiavélique.
Ah ouais, on va directement dans le château à cheval. Quoi. Ah cool, on peut parler au PNJ à Dada, c'est bien ça. Très intéressant tout ça. Bonjour madame la princesse, oui je viens à côté de vous avec mon trône, avec je viens à côté de votre trône avec mon cheval, y'a pas de souci. D'ailleurs mon cheval va chier en plein milieu de votre salle. Et ça ne dérangera personne. Hop hop hop, attendez deux petites secondes. Voilà, merde. Voilà. Est-ce qu'il peut sauter par-dessus ça? Non, il peut pas. Faut peut-être pas déconner. Ah, il y a une échelle là. Je vais rappeler mon cheval. Il disparaît. C'est magique. Est-ce que tu pourrais monter ça un peu plus vite, s'il te plaît? Ah, raté. Ben, je vais rappeler mon dada, moi. J'ai un dada, hein, je vais l'utiliser H24. La région plonge sable entre en état de conflit. Oh, il y a de la bastonnade. Oh l'océan, oh Dieu que c'est grand. Je crois que c'est plutôt une mer vu la taille. Et encore, je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça la mer. Enfin bon. Un grand lac. Lors de votre visite au général au regard strict. Votre rune s'embrasa d'autres. Encore bah, dis donc, arrête pas de s'embraser. Faut que je fasse cuire les steaks dessus. La demeure d'Anna. Elle fit une timide visite guidée de sa maison à Lucius, s'excusant un peu de son extravagance. Les gardes étaient en alerte, méfiants. Lucius, dramaturge reconnu, n'en était pas moins sincère. Son père avait en outre rappelé Anna à ses obligations de mariage avec un homme de son rang. Dans un autre souvenir encore, Anna et Lucius s'étaient accordés pour se revoir en secret. Anna acceptait la célébrité de Lucius, toutes les femmes lui tournant autour. Elle comprenait ainsi qu'il ne veuille pas d'une relation compliquée avec la fille d'un noble. Elle offrit, au cas où, un anneau symbole de leur amour, que Lucius accepta avant d'embrasser Anna. J'ai rien suivi. J'ai rien suivi. Je bite rien à ce qui se passe. Je m'en fous. Hein. Et pourquoi ça se... Enfin... Ouais, pirates. Un canot permet de traverser les étendues d'eau, vous pourrez choisir votre propre canot à l'issue d'une quête. Ok. Waouh, oh, calme-moi, ça, j'ai rien fait du tout, je suis innocent, c'est pas moi. Ah! Dis donc, il est où le Black Pearl? Hop, je mets ça dans ma poche.
Évidemment. Près de l'eau, vous pouvez invoquer un bateau. L'invocation est cependant annulée si vous vous éloignez de l'eau. De plus, il est temporairement impossible d'invoquer votre bateau si celui-ci a été détruit en cours de combat. Dans l'eau, oh. Z pour nager en avant, espace pour rejoindre la surface et X pour nager. C'est plutôt sympa les vagues. Oh, c'est sympa le fond-marin. Ah, l'effet sonore est sympa aussi. Pour l'instant, je suis très agréablement surpris du jeu, quand même. Par contre, mon dada, je vais le... Ah, ben il est... Est-ce que vous entendez ça? Attendez. Ah, écoutez-moi ça. Vous savez comment on appelle ça? Ça, j'ai pas besoin de regarder, je sais qui c'est. On appelle ça une grosse gueule. Qui me spam de SMS. Alors attendez, je vais couper le stream 2 secondes. Le temps de répondre à cette grosse gueule. Bon écoutez, je sais pas, je reprends peut-être dans 30 minutes pour la suite en bateau de Arcage. Pour l'instant, je suis agréablement surpris. Au début, j'avais assez peur et tout, la manibilité me faisait peur, je trouvais ça un peu poivre. Mais là, petit à petit, je commence à trouver le paysage vraiment grand, très grand. On a vraiment cette impression de grandeur, beaucoup plus que dans un WoW ou dans d'autres MMO que j'ai fait. Et puis voilà, l'histoire des bateaux, du cheval, j'adore. Donc je reprends comme je vous ai dit d'ici 30 minutes. À la prochaine, ciao ciao.